Good morning, allez Yiden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Dov Ben Yudit et Eviatar Amram Ben Chedva. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Shabbat, Perigvet Mishnah Delet. Loïkov Adam, Shefoferet, Shel Betsa, Vimal Ena Shemen, Vitenena, Alpi Haner, Bishvil Shetem, Inatefet, Vafilu Shel Cheres, Virbi Uda Matir. Avalim Chibera, Yotzer Mitechil Amutar, Mipene, Shehu, Keli Yachad, Loïam Ale Adam, Eta Keara Shemen, Vitenena Betsananer, Mishnah simple, un peu longue, mais il y a trois cas de figure qui tournent autour de la même discussion exactement. Il y avait une nécessité d'enseigner trois cas, comme ce qu'on va expliquer. Tout d'abord, lorsque j'allume une veilleuse pendant Shabbat, donc j'ai mon huile et j'ai ma mèche. L'huile qui n'est pas encore en train de brûler, je n'ai pas le droit d'aller me servir de cette huile. Pour deux raisons. Tout d'abord, un issur des Rabbanan de Mukhtse. Parce que là, le Shemen Hukta, l'éner, ça veut dire, on aura l'occasion de parler plus longuement de Mukhtse, c'est le fait d'avoir prédestiné un objet, c'est de ne pas avoir prévu d'utiliser un objet, d'avoir complètement exclu l'utilisation d'un objet ou d'une chose, eh bien on l'a repoussé, qu'on allait plus s'en servir. Premièrement, donc il y a un interdit de Mukhtse. Mais même pire que ça, il y a même un interdit de mechabé, que certains expliquent midoraita. Mechabé, c'est-à-dire éteindre un feu. Il y a un interdit d'éteindre un feu pendant Shabbat, évidemment. Et là, il y a un grand chidouche dans cette Mishnah, en fait, c'est discuté comme on l'expliquait exactement. C'est que si j'ai prévu une quantité d'huile qui va brûler pendant 2 heures, et maintenant je vais partir prendre cette huile, et je vais faire que maintenant la fiole va durer que pendant 1 heure et demie, eh bien, il s'avère que j'ai éteint le nerf pendant une demi-heure. J'ai retiré une demi-heure d'allumage. Comme ça, le Roche explique à Mishnah. Tout ça, ça s'explique différemment. Il explique que lorsqu'on va retirer l'huile, on va tout de suite déjà provoquer que la flamme va moins brûler. D'accord? C'est un peu compliqué à comprendre. En tout cas, il y a un problème de mechabé, midoraita. Comme ça, c'est rapporté dans la plupart des commentateurs. Le Rambam s'est discuté, est-ce que le Rambam pense qu'il y a un interdit d'oraita ou pas. D'accord? Donc je reprends. Si j'ai une fiole, une veilleuse, et de l'huile, j'ai pas le droit de retirer de cette huile, c'est formellement interdit. Maintenant, là on parle dans notre Mishnah où j'ai la fiole, et j'ai l'huile qui va brûler qui se trouve dans un autre récipient à côté. Et l'huile arrive dans le récipient de deux manières. Soit parce que je l'ai mis dans une coquille d'œuf par exemple, au-dessus du nerf, imaginez j'avais un nerf, j'avais une veilleuse qui n'était pas assez profonde. Par exemple, et j'ai besoin de mettre une grosse quantité d'huile. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la veilleuse ici, et puis j'ai rajouté de l'huile dans une coquille d'œuf au-dessus, et allez, j'ai fait un petit trou dans la coquille d'œuf, et doucement, doucement, ça coule. C'est comme ça, ça se traduit le mot « shfoferet shel betsa », c'est un « shfoferet », comment dire, « shfoferet », c'est comme un flocon de « beitsa » d'œuf, de coquille d'œuf. Comme ça, les méfarchés m'expliquent. Ah ben, Kevegar rapporte un mal qui explique qu'en fait, non, on parle en fait de peau en argile, beitsa, ça veut dire plutôt des marécages, ça se traduit aussi beitsa. Peu importe, le principe est le même, que, donc, j'ai ma fiole, avec ma petite fiole, une autre fiole au-dessus, avec un petit trou dessus, pas une fiole, un autre récipient au-dessus, où l'huile coule doucement, doucement, et alimente le feu qui est en dessous. Maintenant, dans cette situation, autant que je n'ai pas le droit de prendre l'huile qui est déjà dans la fiole, dans la veilleuse, je n'ai pas non plus le droit de prendre l'huile qui est encore dans la coquille. Et c'est possible que ce soit un interdit midoraita de prendre cette huile, pour le même principe de mechabé. Il y avait une quantité d'huile qui était prédestinée à brûler pendant 2 heures, ça raccourcit sa durée. Interdit midoraita, comme ça, c'est interprété. Et de ce fait, alors, de manière générale, lorsque j'allume une veilleuse, on ne m'interdit pas d'allumer une veilleuse de peur que j'allais prendre de l'huile, parce que c'est bon, la veilleuse, je l'ai allumée, et je me suis déconnecté de l'utilisation de cette huile, il n'y a aucun problème, je ne vais pas aller en prendre. Le problème qui se pose dans notre Mishnah, c'est que lorsque ça se trouve dans deux récipients, on craint que tu vas machinalement aller te servir de l'huile qui se trouve dans le deuxième récipient. Tu vas en prendre, tu vas en mettre un peu, à force de se laver les mains en savon, par exemple, on a les mains très sèches, et ben, on va prendre un petit peu d'huile là pour se graisser un petit peu les mains. Et là, on va transgresser l'interdit de Mechabé. D'après Chachamim. Rabbi Yehuda te dit non,
on va pas, y a pas lieu de craindre. Dès que tu l'as prévu de le, que pour l'allumage, on ne craint pas que tu vas aller machinalement l'utiliser. Ramim te dit non, puisque c'est plus dans le même récipient, c'est plus dans la même veilleuse, et bien on craint que tu vas l'utiliser. C'est la même Mishnah qui se trouve sous la même discussion qui va se trouver sous trois aspects. Premièrement, avec donc comme la coquille d'œuf. Deuxièmement, avec un kli kheres, si ça se trouve dans un ustensile d'argile. Or, l'argile, quand il n'est pas cuit, eh ben, vous mettez de l'huile dedans, l'huile devient maousse, il devient un peu écœurant, sale. Et donc, on ne craint pas que tu vas utiliser de l'huile sale pour t'en mettre sur les mains. Malgré tout, Chachamim m'interdisent. Et troisième cas de figure, on parle plus d'une coquille d'œuf qui est au-dessus de ta veilleuse, mais on parle qu'il y a un bol à côté, et la mèche qui est assez longue, qui sort et qui rentre dans le bol. Et comme ça va puiser l'huile aussi. D'accord? La mèche, tant que, qu'elle trouve de l'huile à pomper pour la porter sur pour la porter à la veilleuse, elle va aller la pomper. Donc vous utilisez une petite veilleuse, et à part ça, un autre gros ustensile avec plein d'huile dedans, et une mèche assez longue qui sort dans l'autre et qui pompe. De nouveau, c'est plus le même ustensile, alors on craint hein, que tu vas aller prendre de l'huile de là-bas, et tu vas de nouveau transgresser l'interdit de Mechabé, que tu vas écourter la longueur de le temps de la veilleuse. Ça, c'est d'après Chachamim qu'on l'interdit. D'après Rabbi Houda, il permet dans tous les cas de figure. Il y avait une nécessité de préciser pourquoi trois cas de figure. Parce qu'on aurait pu croire que Rabbi Houda te permet que quand c'est qu'au-dessus, mais pas quand c'est à côté. On aurait pu croire que Chachamim permet et interdit ce que quand c'est à côté, parce que c'est vraiment déconnecté, mais quand c'est au-dessus, ils permettent. Donc il a fallu préciser la même marloquette sous deux aspects, même sous trois aspects. Même lorsque la veilleuse elle est en argile, que c'est quelque chose d'écœurant, qu'il n'y a pas tellement de risques que tu vas en prendre, malgré tout, on interdit. Précision encore super importante qu'on va voir. Je prépare toute la Mishnah comme ça, après on la lit d'un coup, on comprend tout. Autre précision maintenant, la Mishnah va nous le dire. Toutefois, lorsque on a un yotzer, le yotzer c'est celui qui fabrique le pot en argile, ou le potier, peut-être qu'on va l'appeler comme ça, il va fabriquer un ustensile de la sorte. C'est ça sa forme de l'ustensile. Donc tout ça c'est devenu un seul grand ustensile, où il y a la veilleuse avec un récipient au-dessus qui fait dégouliner l'huile doucement, doucement, mais tout est fixé ensemble en un seul gros ustensile, ça y est, on ne craint plus que tu vas aller l'utiliser machinalement, parce que cette fois-ci, dans ta tête, tu le perçois comme une seule chose qu'il ne faut pas approcher pendant Shabbat. On a fait toute la Mishnah, maintenant on traduit tout ça en les mots. Loïkov Adam, Shefoferet Shel Beitza, un homme ne percera pas, ne perforera pas, l'inkov, nokev, un nekev, un trou. On ne perforera pas une Shefoferet Shel Beitza. On traduit alors une coquille d'œuf. Vimaleena Shemen, et il la remplira d'huile. Veitenena Alpi Haner, et il la mettra à côté de l'ouverture du nerf, de la veilleuse, Bishvil Shete Menatefet, pour qu'elle soit Menatefet, pour qu'elle dégouline, pour qu'elle coule dedans. D'accord? Afilo Ishel Cheres, et même si cette coquille d'œuf, ou en fait ce petit ustensile où se trouve l'huile, est en argile, et donc qu'on ne craint pas que tu vas aller prendre de cette huile sale. Et malgré tout, on interdit. Rabbi Houda Matir, Rabbi Houda permet un cas pareil, d'accord? Donc c'est le premier cas de figure, on a la coquille d'œuf, ou bien même la même petite, la même forme d'ustensile au-dessus qui est en argile, et que ça dégouline directement dedans, et on a la marloquette. Toutefois, Avalim Chibera Hayotzer Mitechila, toutefois, s'il l'a fixé, le Yotzer, c'est le potier, Mitechila, depuis le début, c'est-à-dire il a fabriqué, qu'il a fixé, que ce soit maintenant un seul gros ustensile, entre parenthèses, la elle précise que vous pouvez même le faire tout seul, c'est pas la peine d'être un vrai potier. Vous pouvez prendre de la colle, vous pouvez prendre quelque chose qui va faire que maintenant c'est devenu un seul gros ustensile fixe, il faut que ce soit bien fixé. Et bien dans ce cas-là, moutard, ça devient permis. Pourquoi parce que maintenant, ce système-là, de la veilleuse l'alimentation, l'ustensile qui alimente le nerf, est devenu un seul grand ustensile que toi-même, que tu t'en retires complètement, tu n'approches pas pendant Shabbat. Deuxième cas de figure, lo yemale adam et akehara shemen, un homme ne remplira pas la kehara, le bol d'huile, veitenena betsadaner, et il le posera à côté de la veilleuse, veiten rosh apetila, et il fera rentrer l'extrémité de la ptila, de la mèche, betocha, dedans. C'est-à-dire, tu n'allumeras pas ta veilleuse avec une longue mèche qui va rentrer dans un bol où il y a dedans de l'huile. Bishvil shete shoevet, afin que la mèche va puiser, l'ishov, c'est puiser de l'eau, ou puiser de l'huile.
Bon, afin que la mèche va puiser l'huile du récipient d'à côté. Ce bassin interdit, tu ne le fais pas. De nouveau, même principe, de peur que tu veuilles utiliser l'huile qui se trouve dans le bol, étant donné que dans ta tête, ça c'est la veilleuse, et puis ça c'est un bol d'huile. Mais Rabbi Yehuda m'attire. Rabbi Yehuda permet de nouveau, parce que selon Rabbi Yehuda, on ne craint pas, dans ta tête, tu as allumé ça, tu ne vas pas approcher ce récipient d'huile pendant Shabbat, étant donné que Hukta, les nerfs, puisque tu as, t'as décidé, donc même machinalement, tu ne vas pas utiliser ce nerf. Et cette huile. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.